my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey tout le monde, c'est Sweeterzer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on continue les présentations de chaîne avec la chaîne d'un ami qui s'appelle RiriPoker24 qui à partir de la dernière vidéo a commencé à faire mes miniatures de vidéos, faut le savoir. Voilà, il a décidé de me proposer de faire mes miniatures. Bon bah j'ai dit oui, hein, voilà, parce qu'il est assez, on va dire, expert dans ce domaine. Donc aujourd'hui on va présenter sa chaîne YouTube puisque c'est un YouTuber également. Donc c'est parti. Alors sa chaîne YouTube se présente comme ceci. Déjà il a 25 abonnés, voilà. Donc c'est une chaîne YouTube assez récente. Voilà, faut le noter. Ça fait pas non plus énormément de temps qu'il est sur YouTube, mais il faut noter que son compte a été créé en septembre 2018. Voilà, le 1er septembre 2018. Donc ça fait quand même un petit moment. Hein. Ça fait quand même plus de 2 ans maintenant qu'il a créé son compte Google, qu'il a créé son compte tout simplement pour accéder à YouTube et aux autres services Google. Puisque je rappelle que YouTube c'est un service Google. Voilà. Mais ça je pense que tout le monde le sait, très certainement. Alors, on va aller dans son à propos du coup, on va rester là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre son serveur Discord. Je mettrai ce lien en description. Voilà, ce lien là sera dans la description pour vous permettre de rejoindre son serveur Discord. Il a un serveur Discord, alors si vous aimez bien son type de vidéo, si vous avez envie d'aller discuter avec lui, si vous avez envie de partager des moments, eh bien n'hésitez vraiment pas à aller rejoindre son serveur Discord, voilà, qui sera dans la description. Ensuite, il a également une chaîne Twitch, c'est aussi un streamer, il est poker, il a une chaîne Twitch d'à peu près 80 followers, je crois qu'il en a un peu, voilà, il en a 80 il me semble, 80 ou 81 à l'heure actuelle, donc c'est pas mal, hein. Il a quand même voilà, 80-81 followers, il a bientôt 100 followers, n'hésitez vraiment pas à aller suivre sa chaîne Twitch si ça vous intéresse, hein, bien évidemment. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch dans la description également. Ensuite, dans l'onglet discussion, il n'a rien, voilà, il n'a rien mis pour l'instant. Je vais mettre tout de suite je vais mettre le premier commentaire dans cette discussion. Je vais dire yo virgule rip yo je fais non j'ai on va mettre on va parler comme si ça s'était déjà passé. Yo, j'ai fait la vidéo de présentation de ta chaîne. Ah là. C'est propre. Voilà, c'est moi qui ai mis le premier commentaire. Et voilà. Ensuite, dans chaîne, il n'a pas d'autre chaîne. Donc, il affiche pas ses abonnements, en fait. Il a sûrement configuré cette option en nom. Tout simplement, il ne veut pas qu'on voie les chaînes auxquelles il est abonné, quoi. Ensuite, il a des playlists, voilà, il a des playlists, donc il a quelques musiques, il aime bien Kikessa, comme moi, hein. Kikessa qui est un rappeur lorrain, pour ceux qui ne savent pas, et c'est un très bon rappeur. Voilà, j'aime bien également Kikessa, c'est assez cool. Il a fait une petite playlist Pokémémo, Fallen Kingdom, puisque en ce moment, sur sa chaîne YouTube, vous pourrez retrouver un RR, oui, un RR, enfin, c'est un sort de RR, hein. C'est comme un RR en fait. C'est Fallen Kingdom, voilà, il a fait un RR Fallen Kingdom, RiriPoker, donc il en est au 3e épisode. Alors là, il n'y a que 2 vidéos, mais il a pas encore mis le 3e épisode dans la playlist. Il a fait un petit let's play aussi sur Star Wars Jedi Fallen Order, pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Alors, maintenant on va aller voir un petit peu plus sa chaîne YouTube. Alors déjà, on peut voir que sa première vidéo date d'il y a 3 mois, donc bien évidemment, je vous l'avais dit, sa chaîne est assez récente. Une chaîne qui est pas très vieille, hein, c'est récent. C'est RiriPoker a décidé de se lancer sur YouTube il y a peu de temps. Voilà, il y a peu de temps, hein. 3 mois c'est récent. Donc, sur cette chaîne, parce qu'on en vient, ça y est, on vient au contexte. Sur cette chaîne, vous pourrez retrouver Minecraft, déjà. Vous pourrez retrouver du Minecraft, des autres jeux qu'il aime bien. En gros, tout ce qu'il aime bien. C'est à peu près comme ma chaîne actuelle. Parce que ma chaîne actuelle, je rappelle que ma chaîne actuelle, c'est pour l'instant, je fais des vidéos qui me passionnent, je fais des vidéos que j'aime faire, en fait, c'est des jeux vidéo que j'aime faire, que je vous montre, et si ça vous fait plaisir, eh ben c'est tant mieux. Lui, c'est à peu près la même chose, vous voyez,
Là, il a fait du Jedi. C'est un peu diversifié, hein. C'est pas mal diversifié. Regardez, là, vous avez du Minecraft. Vous avez du Jedi Order, vous avez du Star Wars. Vous avez du Pokémon, donc c'est assez diversifié. Il y a quand même 3 jeux, là, déjà. En quelques vidéos, il a déjà fait 3 jeux différents. Donc, c'est quand même pas mal. Là, vous avez Koldaria, qui est un PP faction. Alcazia, donc Erasion, qui est aussi un PP faction. Très récent, d'ailleurs, Erasion. Qui a ouvert il y a 2 mois, je crois, à peu près. Il y a 2 mois de ça. Donc, bah voilà. Je vous jure, je n'ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé il y a 2 mois. Je vous jure, je l'ai dit sans regarder. Comme quoi. Merde, j'ai cliqué. Comme quoi. Comme quoi, j'ai bien la notion du temps. Donc, voilà. Pour l'instant, il y a 3 types de jeux. Mais je rappelle quand même que c'est une chaîne qui est assez récente. On va pas... Il commence YouTube, il a déjà 25 abonnés. Hein. Il a quand même 25 abonnés en 3 mois. Moi je dis que c'est un bon début. Moi, mes 20 premiers abonnés, je crois que je les ai eus en 2-3 mois, il me semble, si je dis pas de bêtises. En 2-3 mois, j'avais 20-25 abonnés. Donc là, il a fait à peu près la même chose. Donc, je te souhaite bon courage, Riri. Je te souhaite de bien continuer ta chaîne YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, sa dernière vidéo, regardez, c'est Fallen Kingdom, saison 0. Troisième épisode, il fait un RR en ce moment sur sa chaîne, donc n'hésitez vraiment pas, si vous aimez les Fallen Kingdom, à aller voir ce RR. C'est assez intéressant, hein, si vous êtes intéressé, si vous voulez mettre un like ou un commentaire, Riri en sera très content, sachant que Riri Poker essaye de répondre à tous les commentaires, à tous vos commentaires. Voilà, c'est quand même un YouTuber assez motivé. Voilà, il est assez motivé, il fait des vidéos, dès qu'il peut, il fait une vidéo, voilà. Dès qu'il peut. Il a pas vraiment un rythme de vidéo particulier, mais c'est vraiment dès qu'il peut, il en fait une. Voilà. Alors que moi, j'ai un rythme de vidéo particulier. Je rappelle que mon rythme de vidéo, c'est une vidéo quand je ne suis pas en vacances, donc c'est une vidéo par semaine quand je suis au lycée, hein, parce que maintenant je suis au lycée, j'ai un peu moins de temps, mais je reste quand même actif parce que une vidéo par semaine, c'est déjà ça. Ce serait compliqué d'en faire plus sans bâcler, vraiment ce serait très compliqué et j'ai pas envie de vous faire des vidéos vraiment bâclées, je vois pas l'intérêt en fait. Ce serait vraiment du gâchis, littéralement. Et pendant les vacances, c'est 2 vidéos par semaine parce que quand même je peux me le permettre. En vacances j'ai pas beaucoup de choses à faire. Et quand je suis en vacances, c'est du coup une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Donc la vidéo là, vous la regardez, si vous êtes dans les premiers, vous la regardez certainement samedi. Voilà, certainement. Très probablement. Et à l'accueil, alors est-ce qu'il a... Ah, voilà, je vais avoir des petits conseils, comme à chaque épisode des présentations de chaîne, j'ai toujours des 2-3 petits conseils comme ça. Et bien là, je vais encore en avoir, puisqu'il n'a pas fait ce dont à quoi je pense, il l'a pas fait en fait. Riri Poker, je vais avoir 2-3 petits conseils à te dire. C'est que déjà, tu vois tes playlists, tu vois, tu les as mis ici. Eh bien moi je te conseille de les mettre dans accueil. Alors pourquoi? Je me le répète, ça je l'avais déjà dit. Puisque le premier onglet, la première chose quand un utilisateur de YouTube va sur ta chaîne, le premier onglet qu'il voit, c'est accueil. Donc si jamais il voit tes playlists directement, t'auras beaucoup plus de chances que tes playlists soient regardées et soient appréciées par la communauté YouTube. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tes playlists créées, n'hésite vraiment pas à les mettre là, juste en dessous de tes vidéos en ligne. Si tu sais pas, on verra ça ensemble, je t'expliquerai comment faire, mais n'hésite vraiment pas à les mettre en dessous. Et par la même occasion, n'hésite pas également à mettre des vidéos populaires. C'est super intéressant aussi, parce que si tu mets tes vidéos populaires, ça va permettre à tes vidéos populaires d'être encore plus populaires, etc., etc., et de monter en vue, en like, en commentaire. Voilà, ça te fait une plus grande visibilité, on va dire, tu vois, c'est la petite technique, c'est pour que les gens ils puissent voir directement tes vidéos, tout simplement. C'est une petite astuce comme ça. Alors après, si tu sais pas comment on fait pour mettre tes vidéos populaires et tes playlists, je te montrerai si t'as envie. Puis voilà. Voilà, donc sinon, comme j'ai dit, c'est une chaîne assez récente. Donc, pour l'instant, il a, on va dire, peu d'expérience. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a de l'expérience dans les miniatures. Si on regarde ses miniatures, ils sont excellents. Enfin, moi, je les trouve sympas. Il a des belles miniatures, il fait des beaux trucs. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il m'a proposé, en fait, de faire mes miniatures. Bien, regardez.
c'est juste 2 secondes. Hein. Après, je reviens sur sa chaîne, bien sûr. Notamment ma dernière vidéo. Voilà, celle-ci. Pas mon live. Hein. Ma dernière vidéo. Comment installer Pokémon Go 2020. Cette miniature, c'est lui qui l'a fait. Franchement, je la trouve assez sympa. Voilà. Après, je veux pas des miniatures trop putaclic. Donc, voilà. Les flèches, ok, mais pas 100. Quoi. Pas 100 sur la mini. 100 flèches, c'est une expression. Hein. Genre, s'il y a 4-5 flèches sur la miniature. Je veux pas que la miniature soit non plus trop putaclic. Moi, je veux faire du contenu chill. Voilà, chill. Si, moi, je veux que les gens cliquent de leur plein gré, en fait. Je veux pas qu'ils cliquent parce qu'ils ont été influencés. Pour moi, une personne, ça, chacun a ses goûts, en fait. S'il a pas envie, il a pas envie. Et s'il a envie de cliquer, il a envie de cliquer. C'est tout. Voilà, c'est moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chaque YouTuber est libre de faire les miniatures qu'il veut. Tout est permis. Bien évidemment. Tout est permis dans les... Bien évidemment, dans les normes. Hein. Enfin, tout est permis, genre... sans dépasser les limites. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ben, je pense que... Bien, on a fini. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette chaîne YouTube. RiriPoker24. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à cette chaîne. Bien évidemment, le lien de sa chaîne sera, bien sûr, dans la description. Voilà, je pense avoir fait le tour, je pense avoir tout dit. Si jamais vous avez des questions, on sait pas, hein, si ça se trouve, vous aurez peut-être des questions à me poser sur sa chaîne YouTube ou quoi. J'en saurai peut-être un peu plus que vous, parce que je le connais assez bien, Harry Poker. Voilà, n'hésitez pas, parce que si je leur dis pas, je suis sûr et certain qu'il y en a certains qui m'ont oublié. Le petit jeu de mots que j'ai fait sans le vouloir. Je suis sûr et certain qu'il y en a certains qui m'ont oublié. Wow, ça y va, hein, Twitter, là. Non, sérieusement. Je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont oublier d'aller voir sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas... sa chaîne Twitch, plutôt. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne Twitch que je mettrai en description. Il a plus de follow que d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc, à croire que sur Twitch, vous percez plus... Enfin, vous percez plus vite que YouTube. Bah, après, il faut savoir qu'il fait d'excellents live aussi. Ça, c'est sûr. Il fait des très bons lives, hein. Voilà, il fait des live chill et tout, il fait des lives quand il peut, il fait des vidéos quand il peut. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation de chaîne de RiriPoker24 vous aura plu. Tous les liens seront en description pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez vraiment pas à aller checker. Et bien moi sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire à mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Shooter0, sur ce, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao,